Bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Comme chaque année, nous recevons de nouveaux lauréats porteurs de projets professionnels artistiques. Et c'est avec plaisir que je vais remettre le prix d'excellence à l'un d'entre eux. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir mademoiselle Chloé Bonnefoy. Félicitations, mademoiselle. Merci, monsieur le maire. Mademoiselle Bonnefoy, on dit souvent que dans toute œuvre, il y a une part de vécu. Est-ce le cas pour vous? Oui. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour remercier mes amis instrumentistes qui m'ont beaucoup soutenue et conseillée sur ce projet. La forme de ce projet était-elle définie dès le début? Non, pas vraiment. En fait, j'ai suivi mon instinct. Et j'ai été inspirée par de très beaux textes qui m'ont beaucoup touchée. Et que disaient ces textes? La vie continue, tout simplement. Merci. Merci à vous. Aïcha. Bonjour, Chloé. Il viendra pas demain, c'est ça? Je peux m'asseoir? Oui. Si, il viendra. En fait, il ne sait pas que je suis ici. Est-ce que tout va bien? Je le croyais. Tout semblait rentrer dans l'ordre. Au début, il a rapidement perdu toutes ses forces. Il s'est beaucoup battu contre cette saleté. Et ça a été très difficile pour lui. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Mon frère minimise toujours les choses. Et avec mon nouvel emploi, je ne suis pas assez présente. Vous savez qui l'écrit? Je suis tombée sur ces textes, des poèmes que je trouve très sombres. Et ça ne me rassure pas du tout. Je crois qu'il ne veut pas suivre un nouveau traitement. Vous n'en avez jamais parlé? Vous vous demandez si vous le connaissez vraiment, n'est-ce pas? Vous savez, l'année dernière, vous lui avez apporté plus que vous pouvez l'imaginer. Et il a pu passer à autre chose, grâce à vous. Alors promettez-moi une chose. Dites-moi. Il ne faut pas qu'il arrête le piano. Rassurez-vous, Aïcha, ça n'arrivera pas. Merci. T'avais l'air ailleurs aujourd'hui. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. En tout cas, je suis ravie, tu fais beaucoup de progrès. Tu trouves? Pas moi. T'as tort. On a chacun notre rythme et t'as le tien. C'est parfait, j'ai toute la vie devant moi. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. On a juste... C'est juste une question de travail et de volonté. Et avec la volonté que t'as, je suis très optimiste. Ça va, Thomas? Non, ça va, c'est juste un mal de tête. Je vais aller te chercher de l'eau. Regarde sur le bureau, il doit y avoir de l'aspirine. Finalement, tu fais ce concours? Oui, c'est pour bientôt. Elle est très inquiète pour toi. Moi aussi, je m'inquiète.
Si tu veux en parler. Mais je ne veux pas en parler! Moi, ça allait. Peut-être à la mesure 16, pensez à... Moi, j'ai une tenue, donc, mais pensez à maintenir l'attention. D'accord. Pour repartir sur la dernière phrase jusqu'à la fin. Ok. Pour la mise en place, c'est peut-être bien aussi que tu marques un peu plus les contretemps, qu'on soit bien ensemble. Je pense que ça sera plus simple. Qu'est-ce que t'en penses, Chloé? Chloé? Ouais, c'est pas mal. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Oui, bien sûr. Dès votre retour, vous pourrez lui transmettre mon message, si vous le voyez. Merci, Aïcha. Bonjour à tous, je vous remercie d'être venus si nombreux. Comme chaque année, nous recevons de nouveaux lauréats porteurs de projets professionnels artistiques. Et c'est avec plaisir que je vais remettre le prix d'excellence à l'un d'entre eux. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir mademoiselle Chloé Bonnefoy.